Bonjour, donc je vous explique un peu ce qu'on fait en art plastique. Alors sur cette séance-ci, par exemple, avec mes élèves de 3e, on est en train de travailler sur le mot, son sens, et justement les jeux de mots, par exemple en utilisant un mot tel que vert. Comment est-ce qu'on peut travailler les lettres en utilisant soit la couleur verte, soit des objets verts, soit du vert, etc., etc. Donc le but, c'est de jouer vraiment avec le mot et de jouer avec son inverse. Donc si c'est grand, on va l'écrire petit, etc., en utilisant que des petits matériaux. Voilà, donc ça, c'est des travaux de groupe, par groupe de 2 ou 3 maximum. On est sur 4 séances de travail. Ensuite, nous avons en 5e le projet sur le recyclage et l'utilisation de matériaux recyclés. Donc là, on utilise essentiellement du papier mâché, donc fait avec des vieux magazines calés et jetés, du vieux grillage à poule et des bouteilles d'eau minérale en plastique vidée. Scotch, voilà. Et le but du jeu, ça va être de faire un arbre, donc tronc en papier et grillage, et ensuite les branches en plastique. Et on finit avec des fleurs et des poèmes qui ont été dessinés sur des feuilles découpées en forme de feuilles d'arbre, etc., etc. Et puis, nous avons aussi un autre projet recyclage avec des balles de tennis, où là, cette fois-ci, on va utiliser les balles de tennis qui vont servir de tampons sous les tabourets dans certaines salles, et on va leur faire des visages en utilisant que des morceaux de doudous et peluches qu'on a récupérés à droite à gauche de tous les gens qui ont bien voulu s'en séparer.